Vraiment, force et courage à Aurélie, il y a quoi elle, parce que ce qu'elle vit là, c'est très difficile. Je vous laisse écouter la vidéo jusqu'au bout. D'abord, au fait, moi, je ne savais pas. Aurélie, c'est une jeune fille. C'est normal. Aurélie n'est pas âgée, c'est une petite fille. Voilà, mais c'est une petite fille qui se bat. Voilà. Et quand j'ai vu ma nièce en train de pleurer, je suis rentrée dans son contact. Je l'ai appelée. Parce que moi, je suis en Europe. Je l'ai appelée sur son WhatsApp. Et je lui ai dit, tu sais que tu as toujours été une guerrière comme ta mère. Je connais bien la maman d'Aurélie. Je lui ai dit, tu sais, tu as été toujours une guerrière comme ta mère. Ta mère, c'est quelqu'un qui a lutté. Mais malheureusement, la maladie a eu raison d'elle. Sors pas si MH. Elle a commencé à pleurer à chaudes larmes. Ma nièce m'a dit qu'elle va prendre les comprimés pour boire. Elle va boire, j'ai. Elle avait tellement mal. Je lui ai dit, tu ne fais pas ça. Ne donne pas raison aux gens des réseaux sociaux. C'est moi qui vous parle, hein. Je dis, ne donne pas raison. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent te chasser des réseaux sociaux. Reste sur les réseaux sociaux. Laisse-les, ils vont parler, arriver un moment, ça va passer. Elle a commencé à dire, je suis fatiguée. On insulte maman. Tu sais combien de fois j'aime ma maman. Tata, tu sais combien de fois. Je dis, reste sur les réseaux sociaux. Ne bouge pas. Mais promets-moi de ne pas sortir sur MH. Elle m'a dit, je te promets. Elle dit, mais néanmoins, elle va parler de Noura pour se libérer. Parce que, effectivement, cette